Alors on va accueillir Baptiste Carouchet, donc c'est le début des présentations de ces systèmes agricoles, on va dire, les plus en pointe au niveau de tous les enjeux qu'on a dit ce matin. Je vous donne la petite zapette. Alors, pour ceux qui nous suivent en ligne, parce qu'on est en direct en ligne, donc, ou ceux qui sont dans la salle, donc, le hashtag sol vivant, si vous voulez réagir, on pourra prendre des questions à l'occasion. Et puis, vous allez nous présenter cette ferme de Tremblay qui est en Île-de-France et qui est un système assez complet entre... les grandes cultures, l'élevage, l'agroforesterie, et du coup, c'est des actions que vous menez depuis pas mal d'années déjà pour arriver à ce système, quand on s'est présenté, très complet. Voilà, et ben à vous, et puis on prendra quelques questions après. Donc, merci de nous accueillir, Baptiste Carouchet. Donc, je suis le directeur de la ferme de la Tremblay. C'est une ferme assez diversifiée, on va voir, qui est située au sud-ouest de Paris, à côté de Rambouillet. Donc vraiment à proximité. Je vais essayer de vous présenter la ferme en quelques chiffres et en vidéo aussi, parce que vous allez voir, c'est une ferme qui est complètement intégrée. Il y a 12 métiers différents et une multitude d'activités pour intégrer toute son activité et la valorisation de toutes ses ressources sur la ferme. Et ensuite, j'essaierai d'illustrer un petit peu nos pratiques, ce qu'on a mis en place sur la ferme pour mettre en place des pratiques meilleures, durables, en agroécologie et sur un système intégré. Donc la ferme de la Tremblay, c'est d'abord 280 hectares de forêt qui sont gérés sous certificat PEFC, donc c'est une gestion durable de la forêt. Et en fait, elle nous inspire, on va le voir. Elle nous inspire parce que la forêt, on ne travaille pas le sol, on n'utilise pas d'engrais chimiques, on n'utilise pas de pesticides, d'insecticides, de fongicides, de désherbants. Et elle produit. Elle produit de la biomasse, elle stocke du carbone. Et en fait, c'est un peu notre source d'inspiration aujourd'hui. On a 138 hectares de culture qui sont conduites en sans labour depuis 2008 et en semi-direct depuis 2014. Et aujourd'hui, on maintient ces pratiques dans la mesure du possible en agriculture biologique depuis cette année. On élève 400 chèvres et 150 vaches laitières. Et tout le lait est transformé sur la ferme. Donc on produit des fromages fermiers et bientôt des yaourts à la ferme de la Tremblay. On a nos propres sources d'énergie renouvelable avec de la méthanisation agricole, un méthaniseur qui valorise nos effluents d'élevage, du fumier, du lisier et le lactosérum de la fromagerie pour produire notre électricité, notre eau chaude et notre fertilisant naturel qui est le Digesta. On valorise également la forêt pour chauffer notre fromagerie, on va le voir tout à l'heure. Le tout, c'est le pilier, le centre de notre activité, c'est l'homme, c'est ce savoir-faire. Et donc on maintient de l'activité, de l'emploi pour avoir toutes ces activités. Donc je voulais vous présenter une petite vidéo courte de la ferme pour imager un petit peu nos pratiques. Le meilleur moment, c'est quand on revient le matin à la ferme de la Tremblay et que le jour se lève et qu'on voit toutes les activités qui reprennent vie. Et ce moment, il faut le privilégier. On a fait le choix de la jersiaise, qui est une race qui produit un lait très riche et de qualité pour la fabrication de fromage. Le fait de transformer rapidement notre lait permet de garder du goût et de l'authenticité. Et ça, aujourd'hui, c'est rare. Au moment de l'affinage, le salage, le frottage permettent de donner une typicité à nos fromages. La création, c'est un vrai défi pour la ferme, parce que c'est pas que le fromage, c'est tout le travail en amont, sur les cultures, sur l'élevage des animaux, sur la qualité du lait. Ça se définit pas toujours, mais le métier d'éleveur, c'est avant tout un métier de passion, comme celui de fromager. L'alimentation de nos vaches et de nos chèvres, elle est spécifique à notre territoire, et c'est ce qui fait aussi la diversité de notre ferme, ici, à la Boissière-École, en lisière de la forêt de Rambouillet. Le passage en bio, c'est aussi une cohérence au sein de notre territoire. Nous produisons désormais des yaourts bio et fermiers au lait de nos vaches et de nos chèvres. La ferme de la Tremblay est autonome en énergie renouvelable depuis 2012. C'est quelque chose qui est dans les valeurs de l'entreprise. Pour nous, l'agroécologie, c'est savoir se projeter sur quels sont les enjeux d'avenir.
C'est aussi avoir des fromages qui ont du sens. Et on veut que, quand on mange les fromages de la ferme de la Tremblay, on ressente quelque chose, une émotion très différente. C'est une part de terroir et de savoir-faire qui se retrouve dans nos fromages. Donc voilà, c'était pour illustrer un petit peu en image ce qu'on a sur la ferme. Vous avez vu notamment des prairies avec les vaches. Et ces prairies sont conduites en pâturage tournant dynamique, en agroforesterie. Et donc entre chaque paddock de vaches, pour optimiser la conduite et la gestion de l'herbe, avoir une herbe toujours de qualité et productive aussi, on replante des arbres, on replante des pommiers, on replante une certaine diversité pour plusieurs actions, ramener de la biodiversité dans nos parcelles, couper les parcelles, on l'a vu tout à l'heure en photo, aussi apporter une nouvelle ressource alimentaire, en l'occurrence on a des pommes tout autour de nos parcelles, mais on aura aussi d'autres fruitiers, faire de l'ombre pour nos vaches, on va parler aussi de bien-être animal sur notre ferme, et une vache au-dessus de 20-25 degrés, elle souffre. Et donc ramener de l'ombre dans nos parcelles, c'est essentiel, et bien sûr stocker du carbone. Voilà, très important. Donc je voulais vous illustrer un petit peu la réflexion de la ferme, c'est de fermer ces cycles de production pour réduire nos pertes ou valoriser ce qui était historiquement perdu. Et donc aujourd'hui, on a nos cultures qui sont destinées principalement à l'élevage des animaux, que ce soit des fourrages ou des céréales, donc qui partent en alimentation pour les vaches. On peut avoir des couverts végétaux ou des cultures autres qui, mais pas des cultures alimentaires bien sûr, qui peuvent être destinées à produire du biogaz et donc des énergies renouvelables. On n'est pas complètement autonome en énergie, en alimentation aujourd'hui sur notre troupeau de vaches et de chèvres, et donc on a fait le choix de travailler en collaboration avec des agriculteurs voisins. Ces agriculteurs voisins aujourd'hui ils travaillent dans les pratiques qui sont en cohérence avec la ferme de la Tremblay, et aujourd'hui donc en agriculture de conservation et en agriculture biologique. Et donc c'est-à-dire qu'on donne une certaine cohérence au sein du territoire, au sein du village de la Boissière-École et des villages alentours. C'est-à-dire qu'on a 700 hectares aujourd'hui autour de la ferme qui sont en conversion bio pour l'alimentation de nos troupeaux, pour la production d'une agriculture plus respectueuse. Et donc, on donne une certaine cohérence de territoire. Ce n'est pas juste à la taille d'une ferme. La rotation culturelle, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on la construit à l'échelle de notre territoire. On ne la construit plus à l'échelle de notre ferme pour essayer d'avoir une certaine diversité, parce que sinon, on utilise toujours les meilleures terres pour faire les cultures les plus rentables et on laisse toujours les terres les moins rentables pour de la prairie, par exemple. Et là, à l'échelle d'un territoire, on arrive à avoir des meilleures rotations de terres, une meilleure cohérence et une meilleure diversité en fait, de production sur le territoire. Tout le lait, comme j'ai expliqué, est transformé sur la ferme. Donc on valorise là aussi notre ressource lait. Donc l'élevage produit trois produits, le lait, la viande et du fumier, du lisier, qui lui aussi va être revalorisé, retraité, soit sur nos cultures pour apporter de la matière organique et ou en méthanisation pour produire du biogaz et donc une énergie renouvelable. La fromagerie, elle utilise le bois de la forêt de Rambouillet et de notre forêt. On a en place depuis 2006 une chaudière bois en fait, qui produit de la chaleur, de l'eau chaude pour notre fromagerie. Notre fromagerie doit être chauffée à 30 degrés toute l'année et ça nous permet d'avoir aussi une production pour nos bureaux, pour le logement, pour le personnel et pour des entreprises extérieures à base d'énergie renouvelable. La fromagerie va aussi avoir un déchet, et ce déchet c'est le lactosérum, le petit lait. On le réutilise, on le retraite, là aussi en méthanisation, pour produire une énergie renouvelable, et en échange la méthanisation va nous retourner de la chaleur pour la fromagerie en complément. C'est-à-dire que sur l'ensemble de nos énergies renouvelables aujourd'hui, on couvre les besoins de la ferme de la Tremblay en électricité, en eau chaude, mais aussi du village de la Boissière-École où on a 700 foyers. L'électricité produite couvre en plus les besoins du village. Donc on intègre encore plus les besoins énergétiques du village, du territoire, produits avec des ressources de matières premières qui étaient historiquement des déchets.
Et le digesta, qui est notre dernier déchet, notre ancienne ressource, en fait, c'est plus du tout un déchet, c'est notre engrais de ferme aujourd'hui, qui a des vraies vertus en azote, en phosphore, en potasse, qui a eu d'abord une première captation de carbone ou réduction de gaz à effet de serre, parce que le méthane qu'on aurait rejeté, c'est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Et aujourd'hui, nous, ce méthane, on le brûle, et donc on rejette du CO2 et de l'eau, et donc on peut dire que la méthanisation nous a permis de réduire de 25 fois les rejets qu'on aurait eu sans méthanisation. Donc on est un système complètement autonome qui s'autosuffit et avec même une possibilité d'utiliser la chaleur supplémentaire, par exemple pour sécher des fourrages, pour avoir une alimentation de meilleure qualité et atteindre une certaine autonomie en protéines. Le tout, on va le voir juste après, c'est un système qui est bas en carbone. On en parlera plus tard et je pense tout au long de cette conférence. Mais le carbone, c'est essentiel. Et donc, on est une ferme qui produit 0,71 kg d'équivalent CO2 par litre de lait. Alors, c'est des chiffres qui ne parlent pas forcément, mais en fait, c'est très très bas par rapport à la moyenne nationale. Et donc, c'est vraiment cette intégration de toutes ces activités, la valorisation de toutes nos ressources sur la ferme, et la cohérence sur un territoire qui nous permet d'atteindre des chiffres bas comme ça. Et donc là, on a justement un vrai stockage du carbone et des entreprises qui émettent peu de carbone en plus sur l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous l'agriculture systémique, mais c'est l'agroécologie, c'est tous ces mots qu'on utilise, mais qui veulent dire vraiment c'est des systèmes complets, cohérents, qui tiennent compte du stockage du carbone, de leurs ressources et de leur utilisation. Et pour nous, l'agriculture systémique, c'est l'intégration de la forêt, des grandes cultures, de l'élevage et de la valorisation de ces produits. On a fait en 2017, mais c'était pour la campagne 2016, un bilan des gaz à effet de serre pour le lait de vache à la ferme de la Tremblay. Donc c'est une étude qui a été menée par le CEREOPA. CEREOPA qui est donc un organisme qui fait des bilans carbone pour les entreprises et selon des méthodes de calcul qui sont certifiées aujourd'hui et qui sont officielles. Donc on a eu des résultats. Le premier résultat, c'est des résultats corrigés selon l'ADEME pour avoir des comparaisons nationales. Et donc la ferme de la Tremblay, hors méthanisation, elle est à 741 grammes d'équivalent CO2 par litre de lait produit. Si on intègre la méthanisation, alors les chiffres en 2016, ce n'était pas évident de calculer. Aujourd'hui, il y a des choses qui s'affinent un petit peu plus. Mais en 2016, on était déjà à 714 grammes d'équivalent CO2 par litre de lait produit. Ça ne parle pas forcément, mais je vous ai mis en comparaison quelques chiffres avec des références nationales où on est en fait à 1000 grammes à peu près. C'est ce qu'il faut avoir en tête d'équivalent CO2 par litre de lait. Et nous, en intégrant ces ressources, on est déjà à 741 grammes. Donc c'est nettement moins. On a des objectifs qui sont plus ambitieux et on va encore plus loin aujourd'hui en plantant des arbres, en ramenant encore plus de biodiversité sur nos parcelles. Donc ça, c'est des résultats concrets qui aujourd'hui se mesurent. Il y a des méthodes officielles et qui vont de l'avant pour stocker le carbone. Pour vous présenter un tout petit peu, c'est aussi des activités qui s'intègrent et le stockage du carbone, c'est limiter les transports. Et donc nous, nos activités, que ce soit des vaches laitières, les chèvres et la valorisation, tout est sur le même site de production, tout est intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de camion, de citerne de lait qui viennent chercher le lait de nos vaches ou de nos chèvres et qui l'amènent. Tout est sur place et c'est transféré directement par des tuyaux de la salle de traite des vaches vers la fromagerie et ainsi de suite. C'est donc une agriculture systémique avec les cultures qui sont en face et autour de la ferme de la Tremblay et la forêt qui nous entoure pour avoir un système global qui s'autosuffit. Le tout, donc, c'est une cohérence globale avec la méthanisation et les énergies renouvelables qui s'intègrent sur le site. Je voulais juste illustrer un petit peu concrètement dans les champs les pratiques qu'on a en place. Donc pour nous, les trois piliers fondamentaux, c'est la rotation culturelle qui ne se fait plus à l'échelle de notre exploitation, mais qui se fait à l'échelle du territoire aujourd'hui, en collaboration avec d'autres agriculteurs voisins. C'est la réduction et au maximum l'absence de travail du sol sur nos cultures, comme le disait Conrad tout à l'heure, pour stocker le carbone, pour limiter l'érosion, pour avoir des sols fertiles
avec un apport de matière organique végétale fraîche sur nos sols. Et donc une couverture végétale permanente qui peut être des cultures fourragères ou des cultures intermédiaires ou pérennes pour des céréales annuelles, par exemple. On a construit notre rotation sur notre système d'élevage, parce que nous, on a cette chance d'avoir de l'élevage, donc on est capable de valoriser les fourrages. On a une majorité de prairies et de luzernes qui sont donc des cultures pérennes, pluriannuelles, et donc qui limitent aussi dans notre système le travail du sol, et qui entraînent un stockage du carbone très très important. On intègre ensuite d'autres cultures céréalières, par exemple du maïs, de l'épeautre, de l'avoine, des mélanges avec de la févrole, de l'avoine, de la vesse, et on a des surfaces qui sont destinées pour des mesures agro-environnementales. Et on intègre en fait des vergers en agroforesterie, donc avec notamment des pommiers tout autour de nos parcelles ou au centre de nos parcelles pour remettre l'arbre au milieu de notre système de production. Donc là, c'est par exemple un exemple de semi-direct. C'était un semi-direct d'avoine févrole sur un couvert de moutarde, moutarde blanche. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Octobre, à peu près début octobre de l'année dernière. On adapte aussi nos pratiques agricoles à notre système d'élevage pour avoir des pratiques qui sont adaptées. Donc on remet en place un pâturage, du pâturage, mais il faut que ça soit un pâturage efficace, efficace pour de la rentabilité aussi sur nos systèmes de production. Et donc nous on mise sur du pâturage tournant dynamique pour avoir une herbe toujours de qualité qui est productive et qui est au maximum valorisée par les animaux, et le tout sous agroforesterie, comme j'en parlais tout à l'heure. On a basé aussi notre système de production sur l'affouragement en verre, c'est-à-dire valoriser des surfaces qui ne pouvaient pas être pâturées historiquement, mais qui peuvent accueillir de la luzerne, des prairies, et aussi d'autres couverts végétaux, par exemple des colzas fourragés, des sorgos multicoupes, qui viennent se mettre en place sur le sol. L'affouragement en verre, on va chercher l'herbe au champ, sur des surfaces éloignées, qu'on n'aurait pas valorisées avant, et on ramène cette herbe directement à table pour nos vaches, pour nos chèvres. C'est une alimentation de grande qualité. On a des résultats très positifs sur les animaux, avec une amélioration de la santé des animaux, et il n'y a pas de baisse de performance par rapport à ce qu'on fait sur un système classique. On accroît, en faisant ça, on accroît l'autonomie en fourrage et la dépendance aux concentrés azotés qui pourraient être achetés sur le marché extérieur. Et on cherche à simplifier la conduite d'un système bio, avec des cultures pérennes, un travail du sol qui est simplifié, voire absent, et une valorisation de nos ressources, du digesta par exemple, qui est riche en azote, phosphore, potasse, qu'on a besoin pour faire pousser nos cultures. Et notre complément énergétique, il vient se mettre avec du maïs épi ensilé, donc on récolte que l'épi et on laisse les tiges, la feuille et les racines au sol pour rapporter de la matière végétale morte au sol pour ramener de la matière organique. On cultive aussi du triticale, de l'avoine et de l'épeautre, comme on l'a mis, et des cultures qui ont besoin de peu d'intrants pour pousser. Donc pour nous, l'agriculture systémique, comme je l'ai dit, c'est la forêt, les grandes cultures et l'élevage qui s'imbriquent. Et l'agroécologie, c'est une agriculture de conservation, le respect du bien-être animal, la prise en compte de l'animal dans notre système, le respect de l'homme. On le disait tout à l'heure, c'est il faut que l'homme y ait du sens dans son travail, qu'on garde des savoir-faire, et c'est lui qui est au centre de ce pilier. Et bien sûr, la qualité des produits. Nous, la finalité, c'est de produire des fromages fermiers de qualité, et donc ça se traduit à travers toutes ces pratiques. Aujourd'hui, on ne commercialise pas que des fromages, on commercialise des fromages et tout un système de production global qui va avec et qui donne cette cohérence globale du système. Donc, on a différentes certifications sur la ferme. On est engagé déjà depuis 2006 sur une certification ISO 14001, une des premières fermes en France certifiées. Cette certification, c'est le respect de l'environnement, la prise en compte de l'environnement dans notre système. On est également certifié ISO 22000, c'est la sécurité alimentaire, la prise en compte de la sécurité alimentaire de nos ressources et notamment de nos fromages. On est certifié PEFC pour une gestion durable de la forêt.
bientôt en agriculture biologique à partir de fin mars de manière officielle. Et on vient d'avoir une dernière certification avant-hier, c'est Bicorp, quelque chose qui est assez nouveau et notamment présent sur des pays plutôt anglo-saxons. C'est le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire la prise en compte de son amont, de son aval, de ses partenaires, de ses voisins, de la société, pour un l'amélioration de l'environnement, de la qualité de ses produits, des personnes qui travaillent pour la ferme, avec la ferme, dans la ferme. Et donc cette certification va être reconnue de plus en plus. Et c'est la première ferme en France qui est certifiée RSE internationale. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas s'il y a des questions ou des échanges. Ouais. Merci beaucoup. On a le temps de prendre une ou deux questions. Moi, j'ai déjà une question, c'est justement quels sont les... Parce que ça, c'est un système qui s'est mis en place sur de longues années. Peut-être nous remettre en contexte ça et aussi sur les ressources financières, je ne sais pas, qu'il faut pour arriver à structurer ce système-là. Oui, bien sûr. Donc, je parlais de... La ferme a été créée en 1967. En fait, elle a été rachetée par une famille qui avait une ferme uniquement céréalière au tout départ. Et puis, on est sur des sols sablo-limoneux, avec même une grande proportion de sable. Donc, il fallait absolument ramener de la matière organique. C'est pour ça qu'il y a eu de l'élevage qui a été mis en place sur la ferme de la Tremblay au tout départ. Cet élevage, il a fallu le valoriser pour avoir une production qui soit rentable, et notamment la production de fromage. En 2000, il a fallu un petit peu se diversifier. Donc, on a mis en place un élevage de chèvres, je fais un peu court, mais pour avoir une gamme de fromage un petit peu plus cohérente. En 2006, il y a eu une vraie prise de conscience qu'il fallait changer en termes de positionnement et d'impact sur l'environnement, donc avec la mise en place d'une certification, comme je le disais, ISO 14001, et la création tout de suite d'une chaudière bois pour valoriser notre ressource de forêt et la forêt de Rambouillet pour avoir une première autonomie en énergie. En 2012, on a mis en place... en 2008, donc, on a commencé à intégrer nos systèmes de sans-labour, et donc une prise de conscience du début de l'agroécologie, de l'agriculture de conservation des sols. En 2012, on a augmenté nos productions de fromage et donc on avait des besoins en énergie de plus en plus importants. Donc on a mis en place de la méthanisation agricole. Et petit à petit, 2014, arrêt complet du travail du sol, ce passage au semi-direct. Et voilà, toutes ces ressources se sont un petit peu augmentées. En fait, depuis 2014, on replante des arbres. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais on a des ruches aussi à la ferme de la Tremblay. Il y a 200 ruches avec de l'abeille noire et une extraction à froid du miel. Et donc, tout ça, c'est une cohérence globale du système. Au niveau des ressources financières, donc c'est une ferme où on a la chance d'avoir un vrai appui aussi derrière, autour du territoire, des vrais acteurs. Et puis, notre famille, les propriétaires qui est engagée pour ces valeurs-là. Et donc, c'est sûr que ça n'a pas été tout le temps évident, mais aujourd'hui, c'est une ferme qui s'auto-suffit et qui fonctionne comme elle est là. Ma question s'adresse en fait à Monsieur Konrad Schreiber. Votre exposé est super, mais vous n'avez pas parlé des moyens de lever certaines difficultés ou de faire face à certaines difficultés. Premièrement, si l'été est sec, on aura du mal à implanter des cultures intermédiaires. Deuxième difficulté, à l'inverse, si l'hiver est pluvieux au printemps, vos cultures intermédiaires sont bien développées et si ce que vous semez va subir une concurrence terrible par ces cultures intermédiaires, est-ce que vous proposez du glyphosate ou simplement des méthodes de destruction physique? Troisième question, l'agroforesterie, ça a l'air très bien en théorie, mais en pratique, si vous êtes sur un sol peu épais, vos arbres vont tout pomper, et je termine, monsieur, vos arbres vont tout pomper et vos cultures vont dépérir. Dernière chose, je pense que votre exposé est très bien, très séduisant, mais n'oubliez pas un peu de parler de la place aussi des animaux. Merci. L'agroforesterie, peut-être en début d'après-midi, on aura un temps dédié là-dessus. Donc peut-être sur les questions techniques rapides et après il faut qu'on passe... On est très à l'aise avec ça.
Nos anciens, à une époque de crise agricole, ils ont créé le bocage. Le bocage, c'est principalement des levées de terre avec des arbres dessus pour éviter cette concurrence racinaire dans les cultures. Donc en fait, toutes les technologies existent déjà depuis très longtemps. Donc n'ayez pas peur de ça. C'est-à-dire que la photo que vous voyez là, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ce que vous devez en comprendre, c'est le principe et l'essence. Donc le principe, c'est la couverture et l'agriculteur, il mettra les arbres où il doit les mettre, les bons où il faut. En fait, il n'y a pas de schéma directeur. La grande erreur, ce serait que la société s'organise sur une réglementation avec un schéma directeur, parce que c'est destructeur. 30 ans de PAC, c'est 30 ans de misère agricole. On n'a rien résolu, globalement. Donc l'idée, c'est de redonner la main aux agronomes et aux agriculteurs pour qu'ils adaptent leur système chez eux. Donc voilà. Donc on n'est pas trop inquiet avec ça. Si vous avez les bonnes essences d'arbres, vous avez les bonnes mycorhizes qui se marient avec les cultures. Et si vous avez les mauvais choix, vous avez les mauvaises mycorhizes qui sont antagonistes. Donc l'arbre, c'est un sujet à part entière qui fonctionne à condition que j'ai l'intelligence de visiter la totalité des techniques qui existent autour de l'arbre depuis, on va dire, 3, 4, 500 ans et plus. Donc de ce point de vue-là, pas de souci. L'histoire de l'eau. L'histoire de l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas compris parce que la science agronomique, aujourd'hui, ne fait pas son boulot. Alors, je vais être très méchant parce que c'est quelque chose qui commence à nous sauter aux yeux. Dès qu'on a couvert les sols et qu'on a mis de la biologie dans les sols, on a une micro-porosité biologique qui s'installe grâce aux vers de terre, à la vie du sol et au système racinaire. Et tout ça, c'est lié, en fait. Et donc, plus la microbiologie du sol augmente, plus vous en augmentez la réserve utile. Or, nous, ce qu'on a appris à l'école, moi comme vous, hein, j'ai appris que la réserve utile était dépendante de la physique du sol, c'est-à-dire de la quantité de limon, d'argile ou de sable qu'il y avait là-dedans. Or, c'est faux. Voilà. Et on le sait depuis les années 70, quand on revisite les bibliographies, toutes les bibliographies modernes de l'agronomie nous disent ceci. La réserve utile d'un sol est sous la stricte dépendance de la quantité d'activité biologique qu'il contient. Et donc elle peut baisser, enfin elle peut monter si vous augmentez la biodiversité du sol, c'est-à-dire une maison en bon état qui n'est jamais détruite par un outil, parce que c'est l'outil qui détruit. Désolé, bien avant le glyphosate, l'outil. Et donc, on met de l'ordre. Et moi, le glyphosate, je ne suis pas pour ou contre. J'ai travaillé avec, je travaille encore avec, les paysans travaillent encore avec. On sait faire sans. Si vous voulez un cours d'agronomie pour désherber sans glyphosate, en fait, on a mis ça en ligne chez Vers de Terre Production. Donc, il y a 8 heures d'information et de formation et de cours aux agriculteurs pour construire des systèmes sans glyphosate, mais sans chimie aucune. Voilà. Et donc, on se rend compte, en fait, que l'eau, ce n'est pas un problème dès lors que vous avez les bonnes gestions agricoles. Et donc, il faut donner à manger à de la biodiversité, parce que c'est ça, le truc. Quand vous exportez les pailles, pas de nourriture. Quand vous avez un sol nu, pas de plantes, donc pas d'habitat, pas de nourriture. Et donc, en fait, à un moment donné, la concurrence n'existe pas, puisque dans le monde de la biologie, il s'installe des symbioses. Donc là, c'est un monde inconnu, mais il y a des mycorhizes. Donc les mycorhizes vont chercher de l'eau. Quand il n'y en a plus dans le sol, il y en a encore pour les mycorhizes. C'est-à-dire que la réserve utile biologique d'un sol, c'est la moitié de l'eau qui se déplace vers la racine par la force de succion et la moitié de l'eau qui est cherchée par des mycorhizes parce que c'est de l'eau liée. Donc vous n'avez pas peur de la sécheresse puisque vous avez deux réserves utiles dans un sol biologique où la réserve utile monte, alors que dans un sol travaillé, vous n'en avez qu'une, avec une dégradation permanente de la réserve utile. Et donc, n'ayez pas peur du manque d'eau. Et donc, dernière cerise sur le gâteau, quand vous séquestrez une tonne de carbone par hectare et par an, eh bien, c'est pas très compliqué. Ça fait 2 tonnes d'humus. Plus l'humus augmente dans un sol, plus vous en augmentez la réserve utile. Donc vive la biologie qui nous apprend tout. Et on commence à comprendre que l'outil, c'est le premier élément de destruction et de pollution des systèmes agricoles. Et donc c'est terrible pour les agriculteurs. Moi j'ai appris à travailler le sol. Voilà, c'est ma culture. Et aujourd'hui, je sais que c'est
l'ennemi public numéro un qu'il va falloir mettre dans un coin, à n'utiliser que de temps en temps parcimonieusement pour s'en sortir. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans les projets qu'on a. Moi, je connais très bien ce projet-là. Je l'ai initié sur la conservation des sols dans sa phase de démarrage. Et je suis super content de voir où il est arrivé. En fait, c'est l'agriculture de demain, elle est là. Et donc, et vive la biologie. Donc, on fait une belle transition aussi avec Pascal Pinault qui va nous emmener dans ces vergers du Maine-et-Loire. On peut applaudir Baptiste Carouchet de la ferme de la Tremblay. Merci beaucoup pour cette belle présentation complète.